Allez, Zou, on y va. C'est qui, elle? C'est une stagiaire. Tu voulais raconter l'histoire? Bah, faut tout faire ici. Bon, c'est l'histoire d'un boss. Un vrai, celui-là. Il s'appelle Dieudonné. Non, pas l'autre. Lui, c'est le vrai. Il est né en 1638. Alors là, tu piges le truc, tu dis, ils vont me la jouer courte d'histoire. Non, non, détends-toi. Le mec, on l'appelle Louis le Grand. Tu piges le truc. Pas ça, un grand, quoi. Sur notre place, c'est le roi soleil. Quand on le voit le soleil. Et le soleil. Eh ben, c'est Dieu, quoi. Bref, c'est Dieu sur Terre, son lieutenant. Le mec, on le prend pour Dieu sur Terre. Ça pète, ça, sur un profil Facebook. C'est même pour ça qu'il instaure une monarchie de droit divin. Sire, voilà l'heure. Votre Majesté a-t-elle bien reposé cette nuit? S'est-elle échauffée? Désire-t-elle qu'on la frotte? Merci, Daquin. Vous pouvez m'ausculter. J'ai mal dormi. Votre Majesté jouit d'une santé parfaite depuis 2 mois. Faites malgré tout courir le bruit des variations de ma santé, Daquin. Messieurs, le roi! Eh bien, mon frère, nous préparez-vous un beau carrousel ce matin? Pas aussi gai que celui que vous vous préparez à exécuter. Je ne suis pas si fin danseur que ne l'est Sa Majesté. N'oublie pas qui s'adresse à toi. À quelle heure partez-vous à la chasse aux loups, mon fils? Mon roi, vous savez que je crains les loups. Un jour de l'égard pour ceux qui vous sont proches. Si Sa Majesté voulait lever les yeux sur ce placé, j'implore la grâce de votre Majesté d'intercéder en faveur de ma nièce, qui est prise dans un vilain procès. Servez votre roi, Vermillac. C'est ainsi que vous aiderez votre nièce et vous-même. Elle est du cercle des Brindilliers. Messieurs, le roi! Messieurs, je vous écoute. Votre Majesté, il me faut à nouveau vous soumettre la question de l'impôt. La taille est toujours mal supportée par vos sujets. Les guerres que nous menons coûtent fort cher, Votre Majesté. Les dépenses sont grandissantes. La construction de Versailles a également coûté fort cher, Votre Majesté. Nous dépensons ce que bon nous semble et ce qui est nécessaire. Les puissances de la religion prétendue réformée nous menacent. Il nous faut nous en défaire. La guerre est un mal nécessaire. Votre Majesté, il ne s'agit plus de prélever l'impôt nécessaire, mais de le prélever équitablement. J'ai une liste des plus grands seigneurs dont les fermiers ne paient rien, pendant qu'on ravage tout dans la maison d'un malheureux. C'est donc la part de la taille qu'il faut encore réduire, Votre Majesté. Il nous faut également affaiblir la multiplicité des structures locales, Votre Majesté.
Si certains doivent jouir d'exemption, le plus grand nombre doit être obligé à participer à la défense de l'État. Et pour la régale ? Le pape vous contestera toujours ce droit, Votre Majesté. Nous nous déferons également de son autorité. Messieurs, il est temps de proclamer la liberté de l'Église catholique de France. Nous déciderons en temps voulu. Messieurs, le roi. Il est 10 heures. Tu sais ce qu'ils me veulent, ces canards? Ils veulent m'empoisonner, me refiler le bouillon de la faucheuse. Mais je vais pas ouvrir les écluses pour leurs pommes. Je les ai enfermés à Versailles, ils sont à mon service, les blaireaux. La crème de la crème, je l'ai fouettée. Allez, au raccord, je file à la messe. Okay. Ce sera bientôt la fin, madame. Je le devine, mon roi. Maintenant, gagne le duel. Montespan en a déjà payé le prix fort. Je change le monde, madame. Et le monde vous change, mon roi. La gloire n'est pas une maîtresse qu'on puisse jamais négliger. La gloire n'est pas une maîtresse qu'on puisse jamais négliger. J'aime bien ça. Qu'admirez-vous donc là ? Vos jardins, mon roi. Ils sont divins. Symétrie et fantaisie. Ils sont à notre image. Laissez-nous seuls désormais. À qui peut se vaincre soi-même, il est peu de choses qui puissent résister. T'es encore là, toi? Oh! Doucement, la belle. Alors voilà, l'histoire, elle finit là. Pour le moment. Mais je vais pas te bouffer les neurones avec le reste. Il faut juste savoir que j'en ai encore pour 35 ans. Je vais encore perdre quelques ratiches, quelques cheveux, mais je vais te le construire, moi, le royaume! L'État, c'est moi, et pas qu'un peu.
Il y en a d'autres qui vont pas se gêner pour me copier.